Départ, le concept c'était pouvoir proposer aux petits une belle expérience. On a vu arriver des petits de divers horizons qui des fois étaient pas forcément bien équipés. Ce matin 2-0 Bathlehem, 3-0 Monaco, la Nice qu'on avait vu comme une des plus fortes équipes du tournoi réussir à gagner 1-0, c'est magique. Dans tous les cas, l'aventure est réussie. Alors maintenant, voilà, il reste quand même une finale et si on a été là jusqu'au bout, c'est pour aller essayer de la chercher. Mais dans tous les cas, ça restera une aventure magique pour les enfants. Voilà, ça c'est, y a qu'à voir l'émotion qu'il y avait dans les vestiaires, la joie pour des enfants qui ne se connaissaient pas, et puis des Parisiens, des Marseillais mélangés. Enfin voilà, c'était un concept assez particulier. Et puis sur quelques jours, quoi, le résultat est fantastique. C'était certainement avec Rennes la meilleure équipe du tournoi. Il y a Sahali, puissance, technique, déjà une science tactique importante par rapport à l'âge des gamins. Donc j'ai envie de dire qu'ils sont plutôt favoris de cette finale et que ça me va bien d'être l'outsider. On va essayer d'aller les chercher assez haut. On ne veut pas les laisser jouer, on veut pas les laisser respirer. Parce que s'ils prennent le jeu à leur compte, ça va être compliqué. Après, il faudra faire attention du coup, parce qu'on risque de laisser un peu de profondeur dans notre dos. Ce sera notre gardien d'être vigilant par rapport à ça. Allez, tout en blanc les gars. Il y a tout le monde là. Incroyable, et le retour qu'on a des enfants et des parents, c'est que c'est que du bonheur. Ils ont une très belle équipe et surtout un bon groupe, et j'ai l'impression qu'ils s'entendent vraiment bien. Ça fait plaisir surtout. Je te souhaite à vous tous d'ailleurs.